Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Israfil, aujourd'hui je vais vous montrer un petit mode bien sympathique puisque comme vous le voyez, je suis déguisé, enfin ouais, si on veut, j'ai le costume de Metroid. C'est en installant un petit mode très léger et très facile à installer que je vais vous montrer par la suite. Vous obtiendrez ceci, à craft pour 10 pixels. Alors je vais vous montrer si le mob peut bien se barrer. Alors c'est bon. Donc vous pourrez le, une fois que le mod sera installé, je vais vous montrer comment. Vous pourrez le crafter depuis la Metal Workstation pour 10 pixels par craft, c'est très très peu. Et vous avez deux sets de combinaisons. Si je les retrouve, voilà ici. Voilà, vous avez le Varia 7 et le Gravity en violet ici. Voilà, bah c'est un petit mode hein, pour changer un petit peu. Surtout si vous êtes fan de de Metroid, bah vous allez vous y retrouver là-dedans. Et voilà, je vais vous montrer de suite comment l'installer. C'est parti. Alors pour installer le mode, c'est très facile. Vous allez dans le lien qui est dans la description. Bon, moi, manque de bol, apparemment le site est en maintenance. Donc, bon, vous, je pense que quand vous regarderez la vidéo, ce sera plus en maintenance. Vous allez donc dans le lien, vous téléchargez, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien, vous téléchargez le mode. Une fois que vous avez téléchargé le mode, alors c'est un fichier WinRAR, vous allez le décompresser je vais y arriver. Vous allez dans Steam, dans votre fichier Steam, là où il est installé. Puis vous allez dans Steam Apps, ici. Puis vous allez dans Common Starbound. Vous allez dans Mods. Et vous le décompressez ici, dans Mods. Donc vous allez dans Steam Apps, Common Starbound Mods. Et vous le décompressez ici. Voilà. Et puis une fois que vous aurez décompressé, vous lancez le jeu et vous l'aurez directement dans vos crafts pour seulement 10 pixels. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !